Bonjour. Bonjour. Vous venez pour les résultats du bilan. Comment vous sentez-vous? Bien, je sens que la chimio se passe bien. Elle agit sur la tumeur. J'ai senti mon foie l'autre jour. Je pense que c'est la chimio qui attaque la tumeur. C'est bon signe. Je me sens en pleine forme. Je marche tous les jours. Bah si, je marche tous les jours. Je prends les compléments alimentaires que vous m'avez prescrits et les traitements que m'a prescrit le naturopathe. Avec tout ça, j'ai l'impression que ça gagne sur la maladie. Oui, enfin, c'est vrai, docteur, qu'il s'est mis à avoir mal au foie, ce qu'il n'avait pas avant. Et je le sens aussi nettement plus fatigué. Oh, nettement plus fatigué. Tu exagères toujours un peu. Je suis très actif, regarde pas plus tard que dimanche dernier, j'ai quand même coupé du bois. Chérie, tu as raison, je disais juste que ta fatigue m'inquiète. Tu sais que tu fais plein de choses. Coupe du bois, tu vas voir. Votre femme a raison, monsieur. Les résultats du bilan ne sont pas bons. Les métastases ont grossi au niveau du foie et d'autres sont apparues au niveau des poumons. C'est le quatrième traitement d'affilée que nous essayons. Et alors que le premier a un peu ralenti la maladie, les trois derniers n'ont rien fait. Et votre maladie progresse malgré cela. Bah, écoutez, trouvez un autre traitement et évitez que la maladie progresse à nouveau. Mon mari n'acceptera pas qu'on ne fasse rien. Je ne peux plus rien pour vous. Il n'y a plus de traitement possible. Nous avons essayé tous les traitements disponibles. Enfin, il existe bien un médicament nouveau qu'on peut essayer. Non, il a un stade trop élevé pour cela. Et nous n'avons pas d'essai actuellement dans sa situation. T'inquiète pas, chérie. On va trouver quelque chose. Oui, je vais vous faire rencontrer notre équipe de soins palliatifs. Soins palliatifs? N'importe quoi. Oui, pour vous prendre en charge maintenant, il est important de penser à votre confort. Mais je n'ai pas encore besoin de soins palliatifs. Enfin, je ne suis pas à ce stade-là. Je ne peux plus rien pour vous de mon côté. C'est à une autre équipe de vous accompagner. T'inquiète pas, chérie. On va trouver autre chose. Je sais que c'est dur à entendre, madame. Mais je vous dois la vérité. Vous pouvez poser la question ailleurs, mais la réponse sera la même. Il n'y a plus rien à faire pour votre mari. Je vous donne rendez-vous avec notre équipe de soins palliatifs. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur.